Donc, nous retrouvons en enfer. Alors, la dernière fois, nous avions échappé au loup. Qu'est-ce qu'on a jeté? Non, on avait fait le tri un peu de l'inventaire. On a ça, on va faire des kits de couture. Enfin, des kits de pêche. Donc, la dernière fois, nous avions... comment dire? On avait échappé, donc... Au loup, on était à une station et tout ça, on a échappé au loup de justesse et tout, il faut qu'on prenne notre dose. C'était une catastrophe, c'était très très... Est-ce qu'il faut qu'on prenne notre dose aujourd'hui ou pas? Je sais plus. On va voir. Et du coup, on s'est retrouvé ici, donc on n'est pas très loin, mais on a survécu, c'est bien. Et on va devoir... ok, doux, c'est bien. Et on va devoir récupérer un peu de vie pour avant de partir... donc on est dans cette maison et à côté il y a un petit cabanon de pêche et j'avais dans l'idée de pêcher et c'est là qu'on regrette de pas avoir monté la pêche. Donc on va faire un petit tour autour des maisons là parce qu'on n'a pas fait vraiment encore le tour et après on va aller voir pour pêcher. Et après aussi il y a là, ça pourrait être une île à visiter, donc je sais pas trop si ça vaut le coup. Corbeau qui passe. Ah, il fait froid. Le problème, c'est qu'ici, il fait vraiment froid. On va aller là, voir cette maison-là. Ici, on avait récupéré quelques massettes, je crois bien. Hop, oh, charbon, très bien. Ouh. Ouais, du coup, c'est un peu lourd. Ok, on a déjà froid, c'est bien. Là, on voit rien de ce côté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, il n'y a plus de massette. Ah, on a déjà froid. On va aller se réchauffer, puis... puis on va aller dans la cabane et faire du poisson. Je vois que ça. Je vois que ça pour le moment pour tenir. Ou alors... Le problème c'est parce que je sais pas vraiment la distance d'ici jusqu'à la grotte pour repartir en fait. Pour repartir chez nous, à Muskegmorn en fait. Et ben, c'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème. Donc ça peut être proche ou pas vraiment, enfin j'en sais rien. Donc c'est un peu un... J'ai pas envie de tester quoi. Donc on va essayer de récupérer le plus de vie possible. On va essayer de récupérer le plus de vie possible. Il faut qu'on se réchauffe. Bah tiens, on a qu'à faire plus de kits de couture. De pêche, pardon. Et ouais, on va faire ça, on va aller pêcher pour le moment. J'espère que ça vaut le coup, parce que la pêche, c'est comme j'avais dit la dernière fois, je crois que j'en avais parlé, on peut pêcher 3 heures et rien récupérer. Donc honnêtement, c'est pas vraiment le plus intéressant. S'il y avait un petit pas des lapins, ou même un loup, un seul loup isolé, on pourrait se le faire. Enfin, fait quelque chose quoi. Allez, on y va. Là-bas, on pourra aller visiter. Cette île, elle est. Ça a l'air intéressant. Ok, donc déjà, il faut faire du feu. Faire du feu, sinon on va avoir trop froid. Ça a l'air intéressant hein, de voir ce qu'il y a. Il y a une sorte de... Je sais pas, on dirait un phare, mais... Je sais pas, détruit peut-être. Donc il y a peut-être des bons objets, je sais pas. Il y a peut-être des maisons, des bâtiments. On voit pas grand-chose, en fait, de là où on est. Ok, très bien. Bon.
On va faire ça. On est à combien? 4 degrés. Après, on pourrait peut-être aller voir. Il faut qu'on rajoute un truc. On va rajouter ça. Maintenant, vu qu'on n'a plus besoin d'attendre. Ah, le charbon va bien augmenter la chaleur. Voilà, très bien. Et maintenant, on pêche. On va faire ça. On va la casser avec le pied de biche. Ce qui est embêtant, c'est que ça prend un peu de temps pour casser ça. Quoi ce bruit? Sans déconner. Alors attends, peut-être que c'est mieux de se faire lui. Il va mourir. Faut qu'il... Je crois qu'il va mourir. On est monté à niveau 4. Merde, il est en train de partir. Ah non. Fais chier. On lui a mis deux flèches. Il devrait mourir facilement, honnêtement. Qu'est-ce qu'on fait? On attend, on pêche une heure. C'est trop bien la pêche. C'est vraiment bien la pêche. On va plus le retrouver là en fait maintenant. Oh là là. Parce qu'à la limite là serait été oh la vache, 1300 calories. Serait été plus intéressant de manger l'ours en fait. Vous voyez ce que je veux dire? 35 minutes. Je sais pas, on lui a mis une belle flèche. On va peut-être le retrouver avec les corbeaux. 32 minutes. Elle se fatigue méga vite en plus. C'est vraiment l'enfer ici en fait cet endroit. Maintenant il y a un ours quoi. Là on n'a plus de flèches. Bon on n'a plus le... On n'a pas le sang. Ah, c'est embêtant. J'aurais bien voulu qu'il meure de la flèche directe. Soit rien. Attends, là-bas? Non.
Ah, il y a une boîte dans la... dans le coffre. J'avais pas vu. Bon, on le retrouvera peut-être. Honnêtement, je serais étonné qu'il survive. Hein. Je serais très très étonné qu'il survive. Mais bon. On verra ça. Bon, mais en tout cas, on n'a plus de flash. On va aller manger notre poisson. Voilà. 3 minutes. On va dormir à l'extérieur. On va dormir à l'extérieur. Enfin, ici, quoi. Est-ce qu'on peut faire cuire autre chose? Pas vraiment. Mangeons ça. 1600 calories. Bon. C'est pas mal. C'est pas mal. Quand même. C'est sympathique. Mais c'est parce qu'on a eu de la chance, quoi, c'est tout. Voilà, 4 heures. Après, je sais pas le mieux si c'est de pêcher plusieurs heures d'affilée ou faire une heure. Faire heure par heure ou pas, je sais pas, honnêtement, je sais pas. Bon, par contre, on a vraiment pas de chance. Comment t'es sérieux là? On a encore 3 heures de feu. On va devoir dormir. Non mais sans déconner. On va devoir dormir. Non, c'est pas ça que je vais faire, putain. Bon, on va mettre... on va tout mettre. On va tout mettre, voilà, 9h. Et on va dormir 6h. Comme ça, on se repose un maximum. Et on va devoir repêcher. Okay, c'est pas mal, il reste encore 5 heures, 6 heures de feu. Faut récupérer des... Faut récupérer un poisson là-bas. La ligne vient de casser, c'est bien. Non mais sans déconner, donnez-moi quelque chose là quand même. On a 4 heures de feu. T'es sérieux? Donne-moi un truc. Donne-moi quelque chose. Wow, ok. Et c'est de la merde. 13 minutes. 13 minutes, oui, 13 minutes pour faire cuire le truc. Oh là là. Bon, on récupère un peu de vie, mais bon, c'est pas énorme. Faudrait aller récupérer du bois, un peu plus de bois.
On aurait dû peut-être pas tirer... Enfin, on aurait peut-être pas dû tirer sur le l'ours. Je sais pas. J'ai cru que j'allais le tuer, honnêtement. Bon, en tout cas, on est tir à l'arc 4. Donc, moins 75% pour l'instabilité. Dégâts de flèche plus 10. Chance de critique 25%. Temps pour que les proies se vident de leur sang, moins 25%. Très bien. Et dégradation de l'état de l'arc de chaque utilisation, moins 50%. Donc, au lieu de prendre, je sais pas, genre 2% ou 4%, je vais en prendre la moitié. Vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. On va manger ça. Ok, 3 heures. Quand tu veux la pêche, hein. Genre là, il nous faudrait vraiment un gros poisson. Mille, c'est pas mal. Bon, au final, c'est pas méga rentable. Et ce qui est con, c'est que quand on pêche, on monte de niveau seulement quand on trouve des poissons, en fait. Donc c'est super, super aléatoire. Où est-ce qu'on pourrait aller trouver du bois? Là il fait froid. On a 22 minutes. Enfin, le truc c'est qu'il y a du bois partout, mais... Genre on a des palettes et tout ça, mais c'est tellement froid à l'extérieur. Ça va être pour du cuir. Calories. Très bien, 2 heures. On va encore pêcher 1 heure. Bon, j'ai l'impression que c'est une grosse perte de temps. C'est une grosse perte de temps, la pêche. Incroyable. Énorme perte de temps. Tellement envie d'aller là-bas. Énorme perte de temps, c'est bien. On va bientôt faire nuit. Je vais voir si on peut pas récupérer du bois. Et puis après, on va dormir. C'est quoi ça, une grotte? Est-ce que Dantor, est-ce qu'elle est fatiguée? Non, on va pas y aller. Là-bas, il y a une grotte. Ah ouais, non, c'est bien une grotte. Ah, peut-être de là que l'ours y vient. Au final.
Ça aurait été vraiment bien de tuer l'ours, parce que l'ours, on aurait pu récupérer sa viande et tout ça. Et là, on aurait pu bien se mettre. On aurait pu vraiment, mais bien, bien se mettre. Ouais, non, là, ça aurait été vraiment la meilleure stratégie. Bon, je pense qu'on va pouvoir récupérer quand même pas mal de vie. Je pense qu'on va pouvoir partir demain. Et rentrer chez nous. Enfin, Muskegmorn en tout cas. Je pense. On va voir. Non, faut boire à fond parce qu'on va dormir 12 heures. On va voir. Ok, on se réveille. On a soif. Je crois qu'on doit prendre notre, notre cure. 11. 11 heures. Enfin, 11 cures, pardon. Ok, plus que 10. Ça, c'est bien. On a un pull en laine épais. Ah bah, ça va, c'est cool. On a deux pulls en laine, du coup. Plutôt sympa. On va recycler ça. J'aime bien notre vie. J'aime bien notre vie. J'aime pas trop nos calories, mais j'aime bien notre vie. On a le lilas. Quoi? Quitter? Non. Container métallique. Il n'y a pas de fenêtre en fait ici. Quitter la cabane, d'accord. Là on est devant la porte. Il n'y a pas de fenêtre en fait, je viens de calculer. C'est tout, tout fermé. Il fait bientôt jour, donc on peut attendre encore un peu. Est-ce qu'on avait... Non, on n'avait pas trouvé de trucs. Bon, ça marche. On peut faire des torches. Est-ce qu'on a besoin de faire des torches? Non, on en a encore 3 qui sont très bonnes. Donc ça va, on a 3 têtes de flèches. Alors, il faut que le temps s'améliore. Il faut vraiment que le temps s'améliore. On a récupéré 2... Ça. On va peut-être rafistoler des vêtements. Waouh, 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 waouh. Le temps est vraiment bien. Ah oui, c'est la nuit, je crois pas. Ah, il y a peut-être des rideaux. Je crois qu'il y avait des rideaux un peu partout. Oui, voilà, parfait. Je vois rien du tout. Je vois strictement rien. Mais il faut qu'on passe un peu de temps. Donc... Ah. Rideau. Pour qu'on passe un peu de temps avant que ce soit lumineux. Tissu. Je pense que c'est bon. On doit pouvoir rafistoler nos vêtements. Ce sera plus, plus intéressant. Bon, bon, on a l'arc niveau 4. Par contre, on va rentrer. Il va avoir plein. On va faire que du craft. On va rentrer, on va faire que du craft parce que toutes les peaux seront secs. Enfin voilà quoi, on pourra tout faire. Et je pense que c'est là. C'est là où on. C'est là où je ferai la pause par rapport aux vidéos. Enfin, pas la pause, mais vous savez, une ellipse. Où, on passera le temps à crafter tout ça et je le montrerai pas parce que ça sera pas intéressant à regarder. Il en reste combien? 14. Soleil, je crois que je crois qu'on n'a pas besoin d'en prendre. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Oui, les vêtements. Est-ce que on a qu'à faire celui-là? Ah, très bien. Je crois qu'on va dormir. On va d'abord prendre encore plus de. Je pense qu'on va dormir et on va voir si vers midi on peut pas partir.
je dirais. On va voir ça. Là, on est en train de récupérer toute notre vie, ça va, enfin le plus qu'on peut. Ok, le temps s'est calmé. On est 10, on va voir si on peut prendre une dose. Bon, on l'a fait trop tôt. Non, on l'a fait trop tôt. Donc on a utilisé une dose pour rien, c'est pas grave, on a bu, c'est pas grave, let's go. Ok, on se casse. Allez, avance. On se casse. On rentre chez nous. Donc pour être clair, je crois qu'on a fait un grand U en fait. On a fait, on est venu genre par de là-bas et on a fait tout le tour comme ça. Et après on est revenu par là. Donc je pense, si je suis bien, parce que la zone n'est pas très compliquée, la zone est assez plate. Donc ça va. Donc je pense que ma grotte est là-bas. Je voulais aller visiter sur le côté droit là, parce qu'il y a la tour et tout ça. Non, elle est où la tour? Enfin bref, je voulais aller visiter sur la droite, mais on va pas le faire. On va directement aller là. Il y a le pont. Je sais pas trop. Je sais pas trop ce que ça veut dire ce pont. Est-ce qu'il y a des voitures, des trucs? On va voir. On va passer par le pont. Elle a froid déjà. On aurait dû faire un feu. Ah, on aurait dû faire un feu et des torches. Y a pas des voitures. Ah mais non, on a pas de flèche. Plus je peux pas trop sprinter. Ouais. Oui, là on arrive aux montagnes. Par contre, j'entends des loups. Non, c'est pas ça. Je dirais là-bas. C'est quoi ça, des ronces? Je crois qu'on pouvait faire quelque chose. Enfin, je m'en fous, j'ai pas le temps. Il y a un loup là-bas. Je viens de le voir bouger. C'est celui-là qu'on a. C'est lui qu'on a dû entendre, je pense. Eh, monte connasse. On entendait pas mal de chutes d'eau, vous vous rappelez? Quand on est arrivé dans la zone. Donc la grotte doit pas être loin. Je pense qu'on devrait tourner par la droite. Là-bas, la montée, comme ça. Ok, loulouloulou. Peut-être que je peux passer... Non. Non, ils sont en train de monter la garde. On va passer par là. Ce serait... Ouais, pardon. Ouais, on va devoir faire le tour là. Ouais, ils arrêtent pas de gueuler. Par contre, on est vraiment en train de se geler là. On est en train de perdre de la vie. Mais c'est pour... C'est mes pas que j'entends? Oui, c'est mes pas.
C'est pour ça que je voulais récupérer le plus de vie possible, parce que je savais qu'on allait marcher pendant un moment pour retrouver la grotte. Après, on peut un peu sprinter, c'est pas grave. Une fois qu'on sera arrivé dans la grotte, on peut dormir à l'intérieur. Il fait chaud, donc c'est pas très très grave. Oh, un cerf. Bon signe, bon signe. Ça veut dire qu'il y a peut-être pas de loup tout là devant nous là. Ils sont sur la gauche. Il y a une maison. Il y a un pont. Où est-ce qu'on est ? Il y a des corbeaux. On peut rentrer ou pas ? Dis-moi qu'on peut rentrer. Yes ! Ouf ! Ok, cool. On va pouvoir se réchauffer ici. Yes. Oh, c'est bon ça, c'est bien, c'est bien. C'est quoi ça? De couture. C'est quoi ça? Barbecue artisanal. Intéressant. Ok. Prendre encore du tissu. Ah, si on avait trouvé cette maison dès le début, là, ça aurait été peut-être un peu mieux. Ah, y a pas grand-chose. Non, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Fais voir un peu, dis-moi que c'est en bonne qualité. C'est en bonne qualité. On va le manger. Ça nous fait de l'eau aussi, je crois. Ouais, ça nous fait de l'eau, c'est bien. Parfait. Faut qu'on se réchauffe un peu. On va faire les rideaux. Et on devrait dormir peut-être. Je pense qu'on est proche de la grotte. On va dormir, rien. Je dirais qu'on est proche parce qu'on entendait beaucoup de chutes d'eau en fait. Donc ouais, je dirais qu'on est bien là. Bon, on peut pas rester là éternellement parce que on n'a pas trop de calories. Ça, il faut le prendre. Alors attendez, on avait des corbeaux. J'entends des lapins. Bah, du Ravenfall. C'est quoi ça? On va le prendre. Ah, vous vous rappelez tous les bois qu'on a laissés à l'endroit où? Très bien. On a laissé au moins 5. Ça, ça fait chier, il y a des cerfs, on n'a plus de... On n'a pas de flèches. Ok, là-haut. S'il faut 5, une carcasse. Yes! Oh, so cold. On se casse.
après on retourne à la maison. On va prendre du bois. Faudrait qu'on dessine. Bon, c'est pas mal. On va faire cuire le... On va faire cuire le steak qu'on a récupéré. D'accord, ok. Merci, sympa. Perte de temps. Donc on a 944. Le 900, il va sûrement se transformer en presque 1000. Donc c'est bien. J'ai envie de me réchauffer une seconde pour aller dessiner. C'est une heure. Il n'y a pas un truc petit. Okay. Je veux dessiner l'emplacement en fait, avant qu'on parte. Ok, très bien. Apparemment, il y a des champignons aussi. Alors, on va faire du feu. On va faire cuire notre steak, nos deux steaks. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, non, les bois qu'on a laissés, les morceaux de bois qu'on a laissés, honnêtement, ça me fait un peu chier. Mais bon, parce que là, on revient, en fait, on a fait une aventure qui a duré je sais pas combien de jours. On va faire ça 2 heures. On a fait une aventure qui dure je sais pas combien de temps. Waouh. Ça va faire quoi, 4 jours qu'on est là-dedans? 3 jours? Et on va manger ça. Et du coup... enfin, on revient, on n'a pas grand-chose, quoi. Des plumes. Des plumes. Un livre. Des vêtements, un peu des vêtements. Quoique, après ça on a un truc, donc c'est un peu normal qu'on ait pas grand chose. On a plus de flèches, mais on a encore des flèches à la maison, c'est pas grave. Bon, ce qui est bien aussi, oui, on a monté de niveau, c'est vrai. C'est vrai que on a gagné en arc, on est maintenant niveau 4. On a découvert pas mal de choses avec cette zone. Non, enfin c'est pas... C'est pas nul, hein, mais bon, j'aurais bien voulu avoir peut-être un peu plus, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être à la limite un peu plus de récompense. Mais bon. Ah, c'est pas grave. Ça m'embête, c'est pour les flèches surtout, parce qu'on a... Ah, super. On a quand même perdu quelques flèches dans cette histoire. Je crois qu'on en a perdu au moins 3, je dirais. Qui sont restés bloqués, enfin stuck sur les loups. ça fait du bien. On avait récupéré des... Je sais pas si on en a assez. Non, on en a pas. Est-ce qu'on peut faire autre chose? Non, on peut rien faire. Non. Dans 7 minutes, c'est prêt. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va sortir, on va voir si on peut pas récupérer... Ça montrait des champignons sur la carte. Ah ben, on est là, la grotte elle est là.
Oui, la grotte, on l'a dessinée. Oui, la grotte, on l'a dessinée. On est vraiment pas loin. On est vraiment pas loin. Là, il y a des Raichis. C'est après la rivière, ça marche. En 2 heures. Bon, elle est un peu fatiguée, mais... Bon, c'est pas grave, let's go. Je voulais prendre une tisane, faire chauffer une tisane, mais c'est pas grave, on n'a pas le temps. Attends, il y a des Raichis juste après la rivière. Yes, c'est là. Là, on est sans défense, donc faut faire gaffe. Ouh, il y en a beaucoup en plus, c'est cool. Au final, il n'y en a pas énormément. Et ce vent tout le temps, oh la vache. Quel froid. Récupère encore des morceaux de bois. Là, il y en a encore. Très bien. Très bien. Serre. Ça aurait pu être bien de pouvoir en chasser. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On va pouvoir s'en sortir. On est vraiment pas loin. Ah merde, faut les préparer ça. Ouf. Non mais honnêtement, ça se passe bien. Ça se passe bien. On va faire, on va continuer à, avec le feu, à faire cuire des trucs, le temps que ça passe. Enfin, une partie de la nuit passe. Ah donc c'est bien. Et après bon, je dis que on n'a pas trop récupéré de choses. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'aussi on a monté de niveau un peu partout, comme j'ai dit, comme j'ai essayé de relativiser en disant que on est niveau 4 en arc, on a récupéré quelques vêtements, on a... Enfin voilà quoi, on a fait quand même des choses, c'est pas comme si... c'est pas du rien quoi. C'est vraiment pas du rien, donc c'est bien. C'est juste que c'est pas flagrant en fait. Voilà. C'est juste pas flagrant ce qu'on a récupéré. Je crois qu'on en a plus. Ouais. Est-ce qu'on a besoin de prendre une dose ou pas? Je crois. Je suis pas sûr. Non. Ok, faut arrêter de faire ça. La pêche, au final, ça n'a pas été super brillant. Hein. Ça n'a pas été méga brillant. On n'a pas... Pff, on a vraiment pas fait grand chose hein, avec la pêche. On a récupéré quoi? 2 poissons au final, je crois. 2 ou 3? 3.
Un très gros, un moyen et un tout petit. Enfin, moyen, il était gros quand même. Il y a plus de 1000 calories à chaque fois. Donc on a ça. Il y a un médicament. On a encore 10 doses à prendre. Donc c'est bien. C'est bien. On est pas mal en vie, on est bien. On va pouvoir dormir et demain on ressort et on trace. On trace à la grotte. Je pense que ce sera pas mal. Tout prend du temps, hein, tout prend du temps pour se déplacer. Hein, vous avez vu, c'est un peu lourd. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, il reste quoi, 35 minutes. Eau non potable, dans 35 minutes c'est fait. Est-ce qu'on... Vu qu'on a des tissus, en fait j'en profite, comme ça, ça nous fait monter de niveau. Ça nous fait monter de niveau la couture. D'accord. Il reste 13 minutes, je pense que ça suffira. On va dormir maintenant, on va récupérer ça. Par contre, on est un peu lourd. Oui, non, mais on est lourd parce qu'elle est fatiguée, ça va. L'arc, il a 65%, on va dormir. On va dormir le plus possible. On a encore 10 massettes, ça suffira pour rentrer. De toute façon, une fois qu'on passe la grotte, on va tracer, je crois. Je crois pas qu'on va s'arrêter. Par contre, je... Peut-être avant de partir demain, on va prendre une dose de médicaments, mais on va se faire bouillir un... Ah non, mais j'ai rien. J'ai ça. Se faire bouillir un truc, en fait, j'avais dans l'idée, mais je crois pas que ça va nous aider, vraiment. Allez, on dort le plus possible. D'abord, on va reboire, pour être sûr. Et ouais. Et la prochaine fois, on va arrêter là maintenant. Et la prochaine fois, on va à la grotte. C'est parti. Ça va. On avance, on avance.